Good morning, Aleiden. Et tu seras aujourd'hui le Lunish Matamram Yona Ben Chana Peggy Bat Esther Zara Bat Manavdom Shishvortish Simon Badler Oni Michael Novikov et aussi Lirfuat Ruth Bat Claudine Draina Esimcha Bat Masodi Betoch Shar Chole Israel Bezrat Hashem. Et on étudie aujourd'hui Shvuot Perigimel Mishnah Hey. אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים ואחד דברים שיש בהם ממש ואחד דברים שאין בהם ממש כיצד אמר שבועה שאתן לאיש פלוני ושלא אתן שנתתי ושלא נתתי שאישן ושלא אישן שישנתי ושלא ישנתי שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק שזרקתי ושלא זרקתי רבי ישמעאל אומר אינו חייב אלא לעתיד לבוא, שנאמר לה עולתי, ואמר לו רבי עקיבא אם כן, אלו אלה דברים שיש בין הרעה והטבה. דברים שאין בהם הרעה והטבה מנין, אמר לו מריבוי הכתוב. אמר לו אם ריבה הכתוב לכך, ריבה הכתוב לכך. On va parler dans notre Mishnah des choses pour lesquelles on est חייב lorsque l'on jure pour elles. Soit on va tout de suite voir l'intérieur du pasouk et comprendre de quoi on parle exactement. C'est pas compliqué, ça tourne autour d'un même sujet, comment interpréter un même pasouk. On avait déjà rapporté le pasouk qui nous parle de la shvuat bitouille, du fait de jurer, pour affirmer quelque chose, qu'il y a deux situations. Le pasouk nous dit comme ça. « O nefesh ki tishava levate besotemoneur vaikra perekhe mishna pasouk dalet. » « O nefesh ki tishava levate besfataim lehara o leetiv » לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונלה ממנו והוא ידע והשם לאחת מאלה et après la Torah nous raconte que faire lorsqu'il devra faire la tshuva il devra amener un korban khatat ole beyored kisba oseira ואם לא תגיע ידו דייסה אז בהביא את השמוע אשר חטא שתתרו משנה מן היונה ואופיר אלה מן רעיון מנחה comme ce qu'on a tout appris concrètement de quoi on parle on nefesh je retraduis le pasuk on nefesh qui tishava lorsqu'une âme un homme jugera Nefesh c'est une âme, mais non, c'est pas comme un homme. Quelqu'un. Oh Nefesh qui tishava, qui jurera, levate bisfataim, pour exprimer par ses lèvres, lehara o lehetiv, se faire du mal, se mortifier, o lehetiv, se faire plaisir du bien. Ouais, la jandra, vetov. Genre, je jure que demain. Je vais faire tchouba, je jure que demain je vais pas manger. Donc je vais jeûner. D'accord? Je vais pas manger. Ou bien, je jure que demain je vais manger. D'accord? Ça, c'est deux cas de figure lorsqu'on parle au futur. Et on avait appris aussi qu'on est aussi khayav si on jure sur le passé. Soit, le passé d'abord, je continue d'abord le passé parce que ça va être nécessaire. Donc une fois que le pasouk a fini de nous dire lorsque quelqu'un jugera qu'il voudra se faire du bien ou bien se mortifier quelle que soit la jvoua qu'il prononcera quelle que soit la jvoua qu'il prononcera levate c'est prononcer quelque chose d'accord un bitouille c'est une expression et après ce qui se passe c'est que et il a oublié qu'il a juré sur cette chose là et donc il la transgresse vehuyada VHM, mais au moment où il a juré, il le savait, et puis après il a été fautif, donc parce qu'il a oublié, VHM l'a khat mehele, il a été fautif sur une de ses serments. Alors la Torah nous dit, Vaya ki yasham la khat mehele, vidvata asher khata alea, lorsqu'il fera tshuva, il devra se repentir, et ensuite bevit asham al Hashem, il apportera son korban al khatato, sur son khatat vechule, etc. D'accord ? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de mettre le zoom sur quel sujet un homme jure et est condamnable. Qu'est-ce qui est explicite dans la Torah et qu'est-ce que Chachamim ont déduit en élargissant le tir. D'accord ? Explicitement dans la Torah, expressément, la Torah n'a parlé que du cas où je jure que je parle au futur. Je m'engage par mon serment à faire une chose ou à ne pas faire une chose qui sont soit me faire du bien, soit me faire du mal. D'accord ? Je vais manger ou je ne vais pas manger. Notre Mishnah maintenant. C'est vrai qu'explicitement, la Torah parlait que de ces cas-là. Mais en réalité, il y a aussi autre chose. Parce que si on lit bien dans le Pasuk, il y a aussi marqué « L'chol asher yevate adam bishvua » Quel que soit le serment que l'homme exprimera. Donc finalement, là, tu m'as inclus d'autres choses. Vous connaissez bien la règle. La Torah ne parle jamais pour rien. C'est la rajouter des mots. La Torah, elle est radine sur les mots. On ne dit pas aucune lettre pour rien même.
Donc si la Torah s'est mise à rajouter ici toute une expression, le cholachari et batadam joa, c'est pour nous englober encore d'autres choses. C'est ce qu'on appelle un klal. Mais mieux que ça, la Torah n'était pas, pouvait se contenter de me dire on efesh kiti shava levate bisfataim, ou bien kiti shava le cholachari et batadam joa. La Torah m'a dit kiti shava levate bisfataim le hara oleitiv le cholachari et batadam joa. Il jure, il va jurer en exprimant de se faire du bien ou du mal, quelle que soit la chose pour laquelle il va jurer. On déduit de là, ouais, si on étudie bien le passouf, on découvre qu'en réalité, la Torah elle a parlé de manière générale, genre, quel que soit le serment que tu as prononcé. Après, la Torah elle m'a restreint au cas de Lehara Oleetiv, au futur, me faire du bien ou du mal. Et puis après, la Torah elle m'a réélargi le tir en me redonnant de nouveau une généralité en me disant, quel que soit le serment que tu jugeras. Ceux qui lisent la Braïta de Rabbi Ishmael tous les matins, dont sûrement dû voir que dans la Braïta de Rabbi Ishmael, la Torah, elle est interprétée selon plusieurs méthodes, règles, je ne sais pas comment dire, des clés comment lire les psukim, des clés de déduction. Une d'elles, il y a le principe, bien analyser le pasouk pour découvrir qu'est-ce qui est une généralité, qu'est-ce qui est un exemple. Parce que selon le cas, si on a juste un exemple, on a d'alachot comment déduire. Si on a une généralité puis un exemple, ou bien un exemple puis une généralité, c'est ce qu'on appellera un klal ou prat, prat ou klal. Et des fois on va avoir une généralité, un détail, une généralité, et ça va s'interpréter klal ou prat ou klal. D'accord ? Selon chaque forme dont la Torah s'est exprimée, est-ce que la Torah a commencé à me dire un petit exemple concret, et puis après elle m'a donné une généralité, c'est ce qu'on va appeler prat ou klal, on va inclure tout. Mais si la Torah elle me donne une généralité, elle me dit klal ou prat, elle me donne d'abord la généralité, puis après elle me donne un petit exemple concret. Alors, en bichlal, la mashéba prat, on va presque rien déduire. Ouais, on va rien déduire même. En bichlal, la mashéba prat. Et si la Torah me dit klal ou prat ou klal, i atadan elake en aprat. On va prendre, selon des règles que Chazal possédait, nous on n'est pas capable de le faire à notre époque, on n'a plus du tout l'équilim depuis l'époque de Rishonim déjà. Il n'y a que à l'époque de la Gemara, encore c'était le dernier qui faisait des drashot, ce qu'on appelle, c'est savoir, selon la profondeur et l'essence des choses, définir quelles sont les caractéristiques des choses, et à partir d'elles, élargir le tir, d'accord ? Donc, je reviens. Quand on a un klal ou prat ou klal, comment déduire ? C'est le sujet de notre Mishnah. On a une règle, on l'a déjà évoqué, on a déjà parlé de ça quand on était déjà dans Bakama, Bamessia, je ne sais plus. Donc, klal ou prat ou klal, yatadan elakana prat. On va chercher quelles sont les caractéristiques particulières de ce prat. En l'occurrence, pour la Shuvua, on va définir qu'est-ce que ça inclut de dire lehara ou leitiv, se mortifier ou se faire du bien. Qu'est-ce que ça inclut ? Alors, la Mishnah va commencer à nous dire justement quelque chose d'admis de presque tout le monde. Avec. Ouais, on ne va pas en parler tout de suite. Echad dvarim shel atzmo. Qu'il s'agisse de choses qui me concernent à moi. Je vais manger, je ne vais pas manger. Ou bien, echad dvarim shel achrim. Ou bien, qu'il s'agisse de choses qui concernent, qui impliquent d'autres personnes. Je vais donner un cadeau à Reuven, ou je ne vais pas donner un cadeau à Reuven. Donc je ne jure plus sur quelque chose qui me concerne à moi personnellement. Je jure sur une action que je vais faire face à Reuven. On ne parle pas que je jure que Reuven va faire quelque chose, parce que ça, ce n'est pas une joie tchav. Si je jure que demain, tu vas manger, eh bien, j'ai tout simplement, on apprendra, j'ai transgressé les joies tchav, mais sûrement pas les joies de bitouille. Je n'ai pas transgressé ici notre joie, en tout cas, pour notre propos pour le moment. De ce qu'on parle ici, je n'ai pas transgressé les joies. Pourquoi ? Ce n'est pas dans ta possibilité, dans ta capacité d'accomplir ça. Je ne peux pas, moi, manger à ta place. Je ne peux pas te forcer à manger. Tu n'es pas sous ma propriété. Donc de ce fait, ce que j'ai juré, c'est pas une joie de bitouille. Ce sera peut-être autre chose, comme on verra plus tard. D'accord ? Donc je recommence. Encore une fois, on a parlé Khadrim Shalatmo et Khadrim Shalakrim. On a parlé de choses qui me concernent à moi, ou qui impliquent aussi d'autres personnes, qui me concernent à moi face à d'autres personnes, mon comportement face à eux. Ou encore, je jure que je ne vais pas lui parler. Ok ? Vechadvarim Sheyesh Bahen Mamash, Vechadvarim Shein Bahen Mamash. Ou qu'il s'agisse encore de sujets qui. Chez Yesh Ben Mamash, qu'il y a quelque chose de concret dedans, une action bien active, manger ou m'abstenir de manger, ou bien des choses qui ne sont pas concrètes, comme ce que la Mishnah va nous donner l'exemple. Deux exemples en réalité, dormir, c'est quelque chose qui n'est pas Shen Bo Mamash, il n'y a pas ici quelque chose que tu prends de... D'accord ? C'est une action qui... Ouais, bon, c'est pas tellement... Et aussi le deuxième, ce sera de une action si vaine, qui n'a aucun intérêt.
Je jure que je vais prendre une pierre et la jeter dans la mer. Alors ? Bah oui, mais malgré tout, ça s'appelle une joie de bitouille. On aurait pu croire que cette fois-ci, c'est pas une joie de bitouille. Ça aurait été peut-être une joie de chave. Comme dans l'occasion d'en parler, de quelqu'un qui jure sur une évidence, ou quelque chose qui jure sur. Sur une évidence, qui dise le contraire, ou même qu'il affirme quelque chose de vrai, comme on le verra plus tard. Alors on aurait pu croire aussi de nouveau de jurer sur des choses bénignes, qui n'ont aucune mashmaout, aucun intérêt pour rien du tout, en fait. On aurait pu croire qu'on n'est pas khayav, et bien la Mishnah nous dit qu'on est khayav, on le déduit par, selon la règle de klal ou prat ou klal. Ne restreint pas à l'éhara ou l'éthiv, se faire du mal ou se faire du bien, mais élargit ça à plein d'autres cas. D'accord ? Alors la Mishnah nous donne des exemples. Keitzad, comment sont ces deux cas, en fait ? Tu m'as parlé de soit quelque chose qui concerne ou qui concerne d'autres personnes, et après tu m'as dit des choses qui n'ont aucun intérêt, qui ont en ben mamash kurin concret. Ça, il va avoir deux cas de figure. Donc la Mishnah va nous donner au final trois exemples qui vont faire six. Keitzad, comment est le cas ? Amar shvua she'eten le'ish ploni ve'shelo eten. Je jure que je vais donner à quelqu'un ou que je ne vais pas lui donner quelque chose. D'accord ? Donc ça, on fait référence au cas de Dvarim shel acherim. Ou encore, regardez, il y a encore quelque chose qu'on n'a pas encore parlé pour le moment et que ça va faire l'objet d'une discussion en fait. C'est ce qu'on est chayav aussi au passé. Je jure que hier je lui ai donné ou qu'hier je ne lui ai pas donné. D'accord ? Donc, Amar shvua she'eten le'ish ploni ve'shelo eten, que je vais lui donner, eten, c'est la forme future, et veshe natati, que je lui ai donné, veshelo natati, et que je ne lui ai pas donné. D'accord ? Dans tous ces quatre formes de shvuot, même si ça concerne une autre personne, malgré tout, je peux jurer dessus et je serai chayav korban si je transgressais mon serment. Autre cas encore, chez Ishan Veshalo, Ishan, que je vais dormir et que je ne vais pas dormir. Chez Yashanti Veshalo Yashanti, que j'ai dormi et que je n'ai pas dormi. D'accord ? Ça fait référence au cas de Dvarim chez Enbaem Mamash, où il n'y a rien de concret dedans. Et encore, chez Ezrok Tzrorlayam Veshalo Ezrok, que je vais jeter une pierre à la mer ou que je ne vais pas jeter de pierre à la mer. Et aussi, chez Zarakti Veshalo Zarakti, que j'ai jeté et que je n'ai pas jeté. Donc dans ces, on a évoqué trois sujets qui font 6, qui font 12. Deux au futur, je vais faire, je ne vais pas faire, et deux au passé aussi, pour chacun des trois cas. Ok ? Et bien, sur ça, il y a une discussion. Regardez, Rabbi Ishmael Omer, Eno Chayav Ela La'atid Lavo. Pour être Chayav du Korban, tu n'es pas cible de Korban que si tu jures au futur que tu vas faire. Soit jurer pour attester une chose qui s'est déjà passée, on n'est pas chayav à cause de Shvuat Shav. En tout cas, on n'est pas chayav korban. Si on a menti, on n'est pas chayav korban. Si on était bémézide, on sera peut-être chayav malkout. On sera frappé par le beddin. Même de son Rabbi Ishmael. Mais en tout cas, pour être chayav du korban de la Torah, que je me suis trompé, que j'ai oublié. J'ai oublié que c'était interdit de jurer, par exemple. J'ai oublié que c'était interdit de jurer. Je lui ai dit, je te jure que hier j'ai mangé, alors que je n'avais pas mangé. Alors, selon Rabbi Shmuel, je ne serai pas Chayav Korban. D'accord ? On fait ça dans les mots. Rabbi Shmuel Omer, Eno Chayav El Alati Lavo, il n'est possible que sur le futur. Chez Nehemar, comme nous dit le Pasuk, Lehara O Lehetiv. Comme le Pasuk nous dit, il jure qu'il va se faire du bien ou qu'il va se faire du mal. D'accord ? Donc on va élargir, certes, pour inclure aussi d'autres cas, qui ne sont pas forcément des cas où je vais me faire du mal ou non. Ça peut même être des choses qui concernent d'autres personnes, ça peut être aussi des choses qui n'ont pas rien de concret, comme ce qu'on a dit, jeter une pierre à la mer, mais en tout cas, pas pour rendre chayav sur le passé. Telle est la vie de Rabbi Ishmael. Amar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva vient et conteste, discute, réfute les paroles de Rabbi Ishmael en lui disant « Imken, si c'est ainsi que tu limites le cas juste au futur, peut-être que dans ce cas-là, en yela dvarim sheyesh ben hara va atava. La Torah n'a explicité, enni, je n'ai que les choses pour lesquelles il y a du bien ou du mal ou du bien. Soit, la Torah n'a explicité que des cas qui le concernent à lui, où il va se faire quelque chose de positif ou de négatif. Maintenant, dvarim sheyen ben hara va atava. Les choses pour lesquelles il n'y a aucun intérêt, des choses qui n'ont rien de concret, aucun intérêt, des choses bénignes, ou des choses qui concernent d'autres personnes encore, ça inclut aussi dans ça. Minaïn, d'où tu le déduis, toi, Rabbi Ishmael ? Si tu... Faut décider dans la vie. Si tu vas selon ce qui est écrit, va selon ce qui est écrit, jusqu'au bout. Ce qui est écrit, les haras ou les tives, aucun, rien d'autre. Ah, tu élargis ? Alors élargis même pour inclure le passé. D'accord ? Rabbi Ishmael, il fait un raisonnement, comme ça, il le met en échec. Décide.
Amarlo. Alors Rabbi Ishmael lui a répondu, mais Reboya Katouv, le pasouk a malgré tout inclus autre chose, comme ce qu'on avait vu, klal ou prat ou klal, il faut inclure d'autres choses, donc le pasouk, il inclut d'autres choses, moi Rabbi Ishmael, je décide d'inclure des choses qui sont bénies, mais au moins que tous parlent au futur et pas sur le passé, d'accord? Il a une préférence, pourquoi? Il estime, c'est une règle de manière générale. On déduit que le strict minimum. Donc le strict minimum, Rabbi Ishmael a dit, écoute, ce qui ressemble le plus à l'ehara ou l'étive, c'est les choses qui sont bénies au futur, beaucoup plus que les choses qui sont déjà passées. Pourquoi? Pour la simple raison, les choses qui sont déjà passées, au moment où je jure, je transgresse déjà. Alors que le pasouk n'a pas parlé d'un cas où je transgresse au moment où je jure. Le pasouk, il a parlé de, je me crée une chose, une situation qui va être permise ou interdite, et je la transgresse dans un deuxième temps. C'est la différence entre celui qui jure au futur et celui qui jure au passé. Celui qui jure au passé, au moment où il jure, il transgresse. Il affirme ou il ment, d'accord? Il ment, il jure à tort. Tandis que si je jure au futur pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu jures, tu établis une réalité, un nouvel interdit, un nouvel engagement. Et selon ensuite, est-ce que tu vas t'en tenir ou non, tu transgresseras plus tard. Donc ça ressemble plus de dire qu'on parle que du futur. D'accord? Donc, concrètement, Rabbi Akiva, il le dit. Toi, Rabbi Ishmael, d'où tu inclus d'autres choses bénines? Rabbi Ishmael le dit, je l'ai déduit parce que je suis obligé. Il y a klal ou prat ou klal. Il y a des généralités, détails, généralités. Donc je suis obligé d'inclure d'autres choses. Amaro, il leur rétorque, dans ce cas-là, Rabbi Akiva, im riba katouv lekar, riba katouv lekar. Si le pasouk a inclus même d'autres cas qui ne sont pas explicites, parce que comme tu dis, il y a des généralités, et selon le mode de déduction, dans ce cas-là, riba katouv lekar, le pasouk a aussi inclus d'autres choses. Quelle est la discussion? C'est ce que Bartanora va nous expliquer tout de suite. C'est qu'en réalité, quand on fait la braïta de Rabbi Ishmael, faites attention là, ça tombe à pic. Rabbi Ishmael, c'est le même Rabbi Ishmael qui est dans la Mishnah. Donc Rabbi Ishmael, il nous a dit, klal ou klal, yatadan alakana prat. Et bien dans la braïta de Rabbi Akiva, si Rabbi Akiva il s'était organisé lui une braïta où il avait donné aussi lui aussi ses règles, c'est shlosh esrei midot haTorah nidreshet. Alors là-bas, il n'aurait pas utilisé le mot klal ou prat ou klal. Rabbi Akiva avait un autre mode de déduction qui s'appelle plutôt ribouï. Mi-out et ribouille. J'inclus d'autres choses, c'est pas que je fais une généralité. Quand la Torah me pose une généralité, la première généralité, elle est déjà là pour inclure d'autres choses. Et le mi-out, elle est pour exclure d'autres détails. Et le ribouille me vient me dire non, apporte encore plein de choses. Concrètement, on va pas trop détailler, c'est expliqué plusieurs fois par Rachid dans le chasse, fréquemment. Il y a des raisons pourquoi le mode de fonctionnement. Il est un peu différent, mais il est très différent même. Et ça va faire qu'au final, selon Rabbi Akiva, quand on a un ribouille, miout, ribouille, en parallèle avec klal ou pratu klal, il a un ribouille, miout, ribouille, dans ce cas-là, on est merabé, kol davar, on inclut presque tout, sauf quelques petits cas extrêmes qui sont complètement exclus parce qu'ils sont trop différents, comme on le verra, je crois, par rapport au nishbal kaimet mitzvah. On en reviendra dessus si ce sera mentionné. D'accord, c'est clair? Ok. On a fini donc finalement la Mishnah, on a tout expliqué, Baruch HaShem. On reprend maintenant le Bartanura très rapidement. Vechad Verim Shalachim, les choses qui concernent d'autres personnes, que des Mefaresh Shaitel Neponi, comme ce qu'on explique dans le sujet de la Mishnah, que je vais donner à telle personne. Ou bien, ouais, le Bartanura il explique des généralités qui sont données en règle au début de la Mishnah, et puis après la Mishnah les explicite. Donc le Bartanura nous fait la corrélation entre les deux. She'en Ba'en Mamash, qui n'ont pas rien de concret. Très gavné machma, à inclure à l'intérieur de ça deux cas de figure, comme ce que la Mishnah va nous l'expliquer. Kegon Sheina, comme par exemple dormir ou ne pas dormir, c'est quelque chose qui n'a rien de concret. Ouais, c'est pas une action, c'est une action complètement passive. Je me réveille ou je dors. C'est pas quelque chose que je peux pas décider, je domine pas mon sommeil. Ou machma, She'en Ba'enana, ou encore ça implique aussi des choses qui n'ont aucun intérêt. Ni de se faire du bien, ni du mal, Kegon Shezrot Sor Layam, des choses bénies complètement, comme le fait de jeter un caillou à la mer. Alors, maintenant, Rabbi Akiva, le Bartanura nous renvoie à la fin de la Mishnah, Miribou Yakatouv, le pasouk qui a inclus d'autres choses. Lechol Asher Yevate Adam Yishvoua, le pasouk qu'on a mentionné, toute Yishvoua, tout serment qu'un homme explicitera. Au Plukta de Rabbi Akiva de Rabbi Ishmael, quelle est la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? De Rabbi Akiva Darish, Darish Kol HaTorah Beribouye Umiyute. Rabbi Akiva interprète toute la Torah en déduisant selon le mode Ribouye Umiyute. Inclure, exclure. Pas poser une généralité et
et ensuite restreindre à un exemple précis, mais c'est une autre approche au pasouk qui va faire ribouille, inclure d'autres choses. La différence, c'est que quand j'inclus d'autres choses, alors directement, j'admets que ce que je vais t'apporter n'a pas de rapport direct, n'est pas une déduction logique pure de ce qui est écrit. Mais étant donné que la Torah m'a fait une petite allusion pour inclure d'autres choses, alors j'inclus d'autres choses, même s'ils n'étaient pas intrinsèquement ressemblant à ce qui est écrit. Tandis que quand je pose une généralité, je me restreins à ce qui ressemble à la généralité. Vous comprenez qu'on démarre avec beaucoup plus d'ampleur. Quand on fonctionne en ribouille, miout, ribouille, on va beaucoup plus vite, on peut inclure d'autres choses. Parce que dès que je t'ai dit ribouille, miout, je suis arrivé à ce que l'autre il a déjà appris par klal ou pas de klal. Dans ce cas-là, moi, quand j'ajoute le dernier ribouille, je déduis encore plus de choses. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Au Plotin, donc, Rabbi Ishmael Darish Klal ou Pratel, Rabbi Ishmael lui déduit sous forme de klal ou prat ou klal. Alors Rabbi Akiva Darish, Rabbi Akiva l'interprète, on effèche maintenant, une fois qu'on a posé la généralité, alors le partenaire va l'appliquer sur le pasouk. Comme le pasouk nous dit, on effèche Kitishava, lorsqu'un homme jugera, riba, là déjà, tu inclus d'autres choses. Le hara ou le etiv, miet, quand tu me dis, pour se faire du mal ou du bien, se mortifier ou se faire plaisir, miette, là tu as exclu autre chose. L'echol asher yevate, quand après tu continues le passage que tu me dis, l'echol asher yevate adam mishvoa, chazar veriba, là tu reviens, tu m'inclus encore d'autres choses. Et dans ce cas-là, riba ou miette veriba, riba hakol. Lorsque tu as un passage où il y a une généralité en réalité qui veut inclure d'autres choses, et puis après, exclure un autre cas, puis après réinclure de nouveau, riba akol, c'est pour inclure tous les cas de figure, tu les incluras. Mai riba kol mile le shavar kele abba. Donc, puisque tu inclus d'autres choses, tu inclus même le cas de celui qui va jurer au passé. D'accord ? Bon, mai miet, maintenant, malgré tout, il faut quand même exclure quelque chose, puisque la Torah a précisé un mi-août. Pour exclure quelque chose, alors c'est ce qu'ils nous disent, je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais lu en fait ici, apparemment je l'avais oublié. Miet dvar mitzvah, il a exclu quelque chose qui était quelqu'un qui jurerait pour accomplir une mitzvah. Si je jure que je vais accomplir une mitzvah, eh ben ma shvoua ne m'incombe pas. D'accord ? Mais Rabbi Shmuel Darish et Rabbi Shmuel interprètent les pasouk autrement. En effet, shkiti shava, le premier pasouk qui te dit quelqu'un qui jurera, donc c'est large, c'est un klal, c'est une généralité. C'est pas pour inclure d'autres choses, mais c'est pour te poser une généralité. Ce qui ressemble à ça. Les hara ou les etiv. Quand ensuite tu me précises le mot les hara ou les etiv, se faire du mal, se faire du bien. Prat. Tu m'as donné un exemple très restreint. Et ensuite, les chola chéri evate. Et après, tu m'inclus encore d'autres choses. Khazar avec elle, il est revenu, il a englobé d'autres choses. Klal ou prat ou klal, iatadan elakeen aprat. Puisque tu as une généralité. Exemple. Généralité. Tu ne pourras inclure que ce qui ressemble selon des caractéristiques singulières aux exemples, tu incluras d'autres choses. Mapat meforash lehaba, autant que le cas explicité par la Torah ne parle que du futur, af kol lehaba. Aussi tous les autres serments que tu voudras inclure pour te rendre à Yav Korban, ce ne sera que lehaba, lorsque tu jureras sur le futur pour t'interdire une chose ou pour t'imposer de faire une chose. L'alakha qui Rabbi Akiva, et l'alakha est établie comme Rabbi Akiva. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Selam.